OK. On a oublié l'histoire du chandail, là, c'était pas nécessaire. On va baisser le volume un peu. OK. Hey, il nous en reste deux. C'est triste un peu. Non? OK. OK. Bon. Sniff, sniff. Ben, moi, je trouve ça triste, là. Je vous aime bien. Séance préparatoire. Allez ici. Donc, si vous allez sur Piazza, si vous allez sur le tag final, final, il y a plein d'informations au sujet de l'examen final. Bien, plein, pas tant que ça, là, mais il y a un peu d'informations. Évidemment que les sujets, c'est assez tout. On ne peut pas implémenter une pile à moins de bien comprendre l'orienté objet, de comprendre les génériques, de comprendre les interfaces. Donc, ça retouche un peu tout. Je pense que la meilleure façon, évidemment, de savoir qu'est-ce qui est au final, c'est de regarder les 16, 15, 16, 17 dernières années d'examen. C'est là que vous avez l'information. J'ai réservé la salle Colonel Bay C03, donc c'est l'immeuble à côté de site, celui qui est jaune. C'est dans le sous-sol. C'est une pièce pas si mal. Donc, je vais être là ces deux journées-là, puis ce serait vraiment utile si dans la section en bas, follow-up questions, vous me disiez ce que vous voulez qu'on parle dans ces sessions-là. Comme ça, s'il y a des questions d'examen des années précédentes qui vous semblent particulièrement importantes ou que vous comprenez moins bien, je vais m'assurer de discuter de celle-là. Avez-vous des questions pour l'examen? Non? C'est bien bon. Laboratoire cette semaine. Oui, Maxime, ceux qui ont le lab de Maxime le vendredi, était très, très désolée en fin de semaine. Elle vous a dit que la semaine passée, c'était le dernier lab. Ben non, c'était pas le dernier lab. Il y en a un cette semaine. On fait durer le plaisir. Il y a un lab cette semaine aussi. Donc, allez-y. Toute l'information est déjà sur le web. Évidemment. Donc, il y a un lab. Devoir. Qui a fini le devoir? OK. Vous savez qui aller voir. Est-ce que ça a pris bien du temps? Non. Coupe d'heures max, quasiment au total, là, 3 heures. Ouais. Il n'est pas supposé être long. Il n'est pas supposé être difficile. Comme je vous expliquais, c'est moi qui ai codé le plus. J'ai codé 1400 lignes. Vous en donnez à peu près 200-300, fait que c'est pas si mal. Y aurait-tu des questions par rapport à ça? Non? Bon, c'est un lundi pas très loquace, là. OK. Fait que, on va commencer d'abord. OK, notre dernier sujet, oui! Avant que je commence, OK. OK. Pardon. On parle de récursivité, puis tu veux, la question a trait à, globalement, la philosophie, l'idée derrière ça? J'ai compris un peu l'idée derrière, mais je ne comprends pas. Parce qu'en principe, vous avez vu déjà la récursivité à l'automne. Je me dis que, bon, à un niveau, quand on a une petite quantité de données, oui. Non, tu vas voir. Donc, tu te préoccupes un peu de l'espace mémoire. Avec les arbres binaires de recherche, on serait en mesure de sauvegarder toutes les données de l'humanité dans un arbre binaire de recherche. Non, vraiment, toutes les données de l'humanité, je pourrais te les mettre dans un arbre binaire de recherche.
je pourrais écrire une méthode récursive qui va traverser la structure de données. Donc, on parle, l'humanité produit 10 à la 22, 10 à la 21, 10 à la 22 éléments de données par jour. Donc, je pourrais en mettre des milliers de fois plus que ça dans un super disque. Je pourrais écrire une méthode récursive. Et si cet arbre-là a une propriété dont on va parler au prochain cours, qui est d'être bien balancé, la taille de la pile système pour ma méthode récursive va être au maximum 100. 100, c'est rien. Oui, on s'entend, c'est très petit. Donc, ça dépend de la nature des appels récursifs ou de la structure de données traversées. Donc, ce que j'avais dit, c'est avec les listes, on n'utilise pas la récursivité normalement, sauf si le langage qu'on utilise supporte la récursivité. Puis là, le compilateur est suffisamment intelligent pour prendre du code récursif puis produire du code itératif. On appelle ça « recursive tail acceleration ». Donc, le compilateur est capable, est intelligent, est capable d'éliminer la récursivité puis de la transformer en itération. Mais avec les arbres binaires de recherche, vraiment, il n'y a aucun problème de mémoire, d'efficacité. La récursivité va fonctionner super bien. Et à l'inverse, si on ne veut pas écrire du code récursif, on s'arrache les cheveux de la tête. Dans certains cas, c'est vraiment difficile. Alors qu'on va écrire trois lignes de code pour des méthodes récursives. OK. Donc, on passe deux cours à discuter de notre dernier type abstrait de données qui va être les arbres binaires de recherche, donc « binary search trees » en anglais. Donc, aujourd'hui, c'est notre premier cours. Il va y avoir un petit moment où il va falloir définir des choses, donc, peut-être un peu blablabla. Donc, on va parler d'arbres binaires. Puis après ça, on va dire que ceux qui nous intéressent, ils sont de recherche. Alors, je me lance dans mon histoire. OK, donc, voici un arbre. Les informaticiens sont un petit peu particuliers. Les arbres informatiques poussent avec la racine en haut et les feuilles vers le bas. Probablement des arbres australiens aussi, je ne sais pas. Mais enfin, c'est les arbres en informatique ont une racine, ont des branches, ça on avait appelé ça des nœuds. Comment on appellerait ça ici? Des feuilles. Un arbre sans feuilles, ça fait l'automne un peu. Donc, on a des feuilles aussi. OK. Donc, les feuilles sont les nœuds de l'arbre qui n'ont pas de descendants. Si c'est un arbre qui est binaire, ce que ça veut dire, c'est que les nœuds ont un 2 ou 0 descendants, mais un maximum de 2. Évidemment qu'il y a des arbres généraux où là on pourra avoir un nombre arbitraire de descendants, mais les arbres qui nous intéressent dans ce cours-ci vont être des arbres binaires. C'est une structure qui est hiérarchique, il y a des nœuds pour sauvegarder des valeurs, il y a un fils ou une fille gauche et droite. Dans ces structures-là. OK, donc, juste quelques minutes pour définir notre terminologie. Donc, vous êtes déjà familier avec la sauvegarde d'informations de façon hiérarchique. Le disque dur de votre ordinateur, vous pensez à un répertoire, il y a des fichiers, il y a des sous-répertoires. Un sous-répertoire a des fichiers et d'autres sous-répertoires. Ces sous-répertoires-là ont des fichiers et des répertoires. Le disque dur de votre ordinateur
est organisé sous forme de hiérarchie, sous forme d'arbre. Quand le compilateur analyse votre programme, il crée une représentation sous forme d'arbre de votre programme. Il va dire c'est plus qui est appliqué à X et à 1. Il va analyser votre programme puis créer un arbre syntaxique. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les arbres de Hoffman? Essayez par là. Les autres, ils avaient fini avant là. Arbre de Hoffman. Non? Pas rencontré ça? OK. Pas d'arbre de Hoffman nulle part. OK. Bien, ils sont le fun, les arbres de Hoffman. OK. Mais encore. Voici un arbre de Hoffman. En bas, je vais changer de mode pour que, parce qu'il y a des choses qui sont un peu petites. OK. Donc, les arbres de Hoffman, on aime les utiliser pour compresser l'information. Vous êtes peut-être des fois demandé, mais comment ça que Zip est capable de zipper, de compresser l'information? Comment on peut vraiment compresser puis décompresser l'information? Surtout, comment on peut compresser l'information sans perte d'information? Ça serait vraiment... Parce qu'il y a deux types de compression. Il y a de la compression où, comme par exemple, si vous utilisez MP3 pour écouter de la musique, on va dire, « Ah, l'oreille n'est pas si raffinée que ça. » On pourrait peut-être laisser tomber certaines fréquences, compresser le signal, puis l'oreille humaine ne verrait pas la différence. Pour la moyenne des gens. Ça, c'est compression avec perte d'information. Quand on a un fichier, par exemple, MP3 à 128 bits, on ne peut pas revenir à la qualité CD. C'est impossible. On a perdu de l'information. Ici, ce qu'on parle, c'est compression sans perte d'information. C'est-à-dire, on compresse l'information, puis si on veut l'information décompressée, on est capable de le faire en reconstruisant l'entrée originale sans perte d'information. Compression, c'est basé sur un principe simple que les lettres dans un langage donné n'apparaissent pas toutes avec la même fréquence. La même idée, on l'utilise en cryptographie, on pourrait l'utiliser en cryptographie. Vous voyez un texte encrypté, vous savez qu'il est en anglais, peut-être que les caractères qui apparaissent fréquemment, ce serait quoi comme lettre? E, A, il y a des lettres comme ça qui apparaissent fréquemment en anglais. On peut utiliser ça comme technique pour briser des méthodes d'encryption, s'ils sont faibles. Ici, on utilise la même idée pour la compression des données. Les E, les A, les espaces apparaissent fréquemment dans les textes. Si on utilisait un code pour encoder l'information, au lieu d'utiliser un code où chaque élément a une taille fixe, par exemple 8 bits en ASCII ou 16 bits en Unicode, si on utilisait des codes tels que les lettres qui apparaissent fréquemment ont des codes minuscules, les lettres que je vois presque jamais, je leur donne des grands codes. C'est ça l'idée derrière les arbres de Hoffman. Si je vous montre l'arbre d'abord, okay. L'arbre est une clé ici. On peut décoder l'information en utilisant l'arbre comme clé. Quand on rencontre une chaîne encodée, on parcourt l'arbre. Si le premier élément est un 1, je descends dans cette branche-ci. Si le prochain élément est un 0, je vais m'en aller dans cette branche-ci. Si le prochain élément est un 1, je m'en viens ici. Si le prochain élément est un 0, j'arrive ici. Une feuille,
décode, sur la sortie, j'écris A. Je continue ma lecture. Prochain élément, c'était un 0, je descends ici. Prochain élément, c'était un 1, je m'en viens là. Prochain élément est un 0. Ah, feuille, j'écris sur la sortie E. Et ainsi de suite, je me sers de l'arbre comme clé pour décoder l'information. Si vous regardez la structure de l'arbre, c'est assez frappant que le E est très près de la racine de l'arbre. Le A, je ne les avais pas choisis au hasard, là. Le A est très près de la racine. Le X est très bas, a donc un très long code. Le Q est bas, le Z, etc. OK, donc, on peut construire un arbre comme ça qui va nous servir à décoder l'information. On voit ici, je vais rapetisser ça, je sais que ça va être petit. Je vais aussi effacer ce que j'ai fait pour recommencer. Alors, juste une seconde. J'efface tout ça. OK, donc, je suis en bas de l'écran ici. Puis, pour l'instant, regardez seulement la suite de bits. OK, donc ça commence avec 1, donc je vais aller ici. Ensuite, j'ai 0, 0, 0, 1, 0. J'ai donc décodé cette portion-ci. Je suis arrivé dans une feuille. Sur la sortie, j'ai pu écrire le G. Je poursuis, ça dit, je vais changer de couleur, ça dit 1, 0, 0, 1. J'arrive ici, une feuille, j'écris sur la sortie un O. Dernier exemple, je suis maintenant rendu ici dans ma lecture. Je commence au début de l'arbre, je vais changer de couleur à nouveau. C'est un 1, c'est un 1, c'est un 1. J'arrive à une feuille, c'est l'espace, je réécris l'espace. Donc, vous voyez que je peux utiliser cet arbre-là comme clé pour décoder de l'information. À l'inverse, il est facile d'encoder ou de compresser un texte. Je pars du texte. Quand je rencontre G, je réécris cette séquence d'informations-là sur la sortie. Quand je rencontre un O, j'écris ça. Puis on peut facilement obtenir des 20, 30, 40 % de compression de l'information avec ce genre d'idée-là. C'est bon? Donc, c'est un petit exemple de structure arborescente. OK, donc quelques minutes de plus pour parler de terminologie. OK, donc, les nœuds de ces arbres-là ont un seul parent. Donc, 15, son parent, c'est 8, 29, son parent, c'est 15, etc. Quel est le parent de 8? On ne voit pas. Attendez un peu. Attendez, on va recommencer ça. Ah, c'est bien pas drôle cette affaire. Faut que j'aille là, en mode document, comme ça. OK, ça n'arrivera pas. 8, c'est celui d'en haut. Il n'y a pas de parent. Zéro parent. OK. Donc, on a déjà dit, les nœuds dans un arbre binaire vont avoir 0, 1 ou 2 fils. Les nœuds qui n'ont aucun descendant, c'est des feuilles. Les nœuds qui ne sont pas des feuilles, on les appelle les nœuds internes de l'arbre. Okay?
On aime la métaphore tellement que les liens entre les nœuds, on les appelle des branches. Si j'ai plusieurs arbres, comment j'appelle ça? Une forêt. Pourquoi pas? OK. Un sous-arbre, c'est un nœud et ses descendants. Donc, je peux prendre l'arbre à partir du nœud 15. Il vient avec ses descendants 9, 11, 29. OK? Donc, il y a la notion de sous-arbre. La taille d'un arbre, c'est le nombre de nœuds qu'il y a dans l'arbre au complet. Ou on peut parler aussi de la taille d'un sous-arbre. Donc, si je parle du sous-arbre 15, il y a 1, 2, 3, 4 éléments dans le sous-arbre dont la racine locale est 15. Okay. Okay, donc, évidemment, ça ne devrait pas être trop surprenant qu'un arbre vide a une taille 0, puisqu'on a dit que la taille, c'est le nombre d'éléments, le nombre de nœuds qui se trouvent dans cet arbre-là. Okay, des fois, on va définir les arbres de façon récursive. On va dire qu'un arbre binaire, soit qu'il est vide ou soit qu'il a une valeur, la valeur qui est sauvegardée dans le nœud, et il y a deux sous-arbres. Eux-mêmes sont des sous-arbres, donc soit qu'ils sont vides, soit qu'ils ont une valeur et deux sous-arbres. Okay, la profondeur, c'est le nombre de liens qu'il faut suivre pour se rendre jusqu'à un nœud. Donc, par exemple, 15 est à profondeur 1, 29 est à profondeur 2. La racine est à profondeur 0, puisque j'ai aucun lien à suivre pour me rendre jusqu'à la racine. C'est bon? OK. Est-ce que c'est important, ça? OK. OK. Donc, ça, c'était pour les arbres en général, pour les arbres binaires. Ceux qui nous intéressent vraiment aujourd'hui, c'est les arbres binaires de recherche. Les arbres que je vous ai montrés jusqu'à maintenant avaient une propriété. À part d'être binaires, d'être des arbres, il y avait quelque chose de particulier dans ces structures-là. Si vous n'avez pas lu les notes ou si vous ne les avez pas devant vous, quand vous regardez cette structure-là, est-ce que vous êtes capable de trouver une propriété mathématique, si on veut, qui existe dans cet arbre-là? Oui. Toutes les valeurs qui sont à gauche du 8 sont inférieures à 8. Celles qui sont à droite sont supérieures à 8. Tu voulais ajouter quelque chose? Si on regarde exactement où sont placés les nœuds, pas où sont horizontalement et verticalement, ou l'opposé, ils sont placés parfaitement en ordre chronologique. Donc le nœud le plus à la gauche est 1, après ça le deuxième c'est 2, ensuite c'est 1 qui est plus grand, c'est 4, ensuite on a 7 et 8. Intéressant. Comme observation, ça devient, c'est un corollaire, en fait, de la façon qu'on a construit l'arbre. Donc, la propriété qui avait été mentionnée, que toutes les clés, donc les valeurs dans l'arbre, je les appelle des clés, toutes les clés qui sont à gauche de la racine sont inférieures à la clé qui se trouve dans la racine, et toutes celles qui sont dans le fils droit sont supérieures. Est-ce que ça, c'est vrai pour chaque nœud? Chaque nœud de l'arbre va vérifier cette propriété-là. Il faut que chaque nœud soit tel que toutes les clés dans le fils gauche sont inférieures, toutes les clés dans le fils droit sont supérieures. Et c'est strictement supérieur et strictement inférieur.
un arbre binaire de recherche, pour que ça fonctionne, il ne peut pas avoir de clés qui sont dupliquées. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important, ces propriétés-là? Donc, c'est vraiment, ça va être, c'est le principe qui donne toute sa puissance à cet arbre-là. Ça nous permet d'éliminer la moitié de l'espace de recherche à chaque fois. Est-ce que vous avez vu une technique dans le cours d'avant qui ressemble, qui a la même philosophie? Oui? Recherche dichotomique? Je regarde l'élément du milieu. Si ma clé est inférieure, ça veut dire que je vais chercher dans la première partie du tableau. Je regarde dans la cellule du milieu. Si c'est plus grand, je regarde là. À chaque étape, au début, j'ai, c'est ça qui fait que c'est tellement puissant. Si j'ai mes 10 à la 22 clés, je cherche une clé, elle est plus petite que la valeur à la racine, je m'en vais à gauche. Oup! J'ai éliminé la moitié de 10 à la 22, ce qui est pas mal. Je suis dans l'autre côté, je regarde le prochain nœud, ma valeur, elle est plus grande. Choup! J'élimine la moitié de l'espace de recherche. Puis de façon logarithmique, je vais converger vers une solution. En log base 2 de n opération, je vais converger vers la clé recherchée. Donc, c'est vraiment... C'est ça qui est l'idée. Par construction, ces arbres-là, on va les maintenir de cette façon-ci, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va ajouter un élément, on doit maintenir la propriété d'être un arbre binaire de recherche. OK, donc, tous les nœuds du sous-arbre gauche ont des valeurs plus petites, tous ceux du sous-arbre droit ont des valeurs qui sont plus grandes. Puis, on ne peut pas avoir des valeurs uniques, puis... Ça devrait être assez évident parce que là, je suis en train de faire ma recherche, puis là, je peux plus prendre de décision. C'est plus grand. Ouais, mais ça pourrait. Ou c'est plus grand ou égal. Peut-être qu'il faudrait que j'aille à gauche, peut-être qu'il faut que j'aille à droite. On perd cet aspect décisionnel-là si on permet les clés qui sont dupliquées dans l'arbre. On n'est plus en mesure de faire ces branchements-là automatiques. Quand on fait la recherche. Donc, vraiment, il n'y a pas de clé dupliquée. Un arbre binaire de recherche, est-ce que ça vous semble bien compliqué à programmer? Non. Ça ressemble à quoi? Quels sont les ingrédients? OK, vous avez, on lance notre éditeur favori, Sublime ou autre. On se met à coder. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va sauvegarder l'information? Oui? Une liste? Ça va-tu vraiment être une liste? Ça va-tu être linéaire? Parce que si c'est linéaire, puis j'ai 10 à la 22 éléments, ça va être long. Je pense, on veut vraiment une structure hiérarchique. Je suis pas sûr que je sais ce que tu veux dire. Mais je cherche une réponse un petit peu plus précise à ma réponse. Qu'est-ce qu'il y a dans une liste? Tu penses à quel type de liste? Oui. Une liste chaînée. Regardez bien ça. Moi, je vois ça comme je suis un node, un élément dans une liste chaînée. Au lieu d'avoir un previous puis un next, j'ai un gauche puis un droit. Next, previous, gauche puis droit. Là, c'est aussi bête que ça. Oui? Ben, c'est pas une liste, ça suppose information linéaire.
Donc là, on va réutiliser l'idée de classe imbriquée statique qui s'appelle Node. Puis au lieu d'avoir Previous puis Next, ben on va appeler ça gauche puis droit. Puis c'est dans la façon qu'on va les connecter, ces éléments-là, les uns aux autres, qu'on va obtenir une structure qui va être hiérarchique. OK, donc ce n'est pas plus compliqué que ça. On va utiliser notre classe Node. On va avoir nos variables left, right, puis une valeur. Donc, il y a une clé qui est sauvegardée dans le nœud. Est-ce que les valeurs peuvent être quelconques? Non? Pourquoi? Il faut avoir une façon de comparer les objets entre eux. Donc, il faut qu'ils soient comparables. Okay? Donc, on va voir que les génériques, on a déjà vu, mais on va revoir que les génériques ont cette flexibilité-là qui nous permet de définir des structures génériques dont les éléments vont être comparables. Okay? Donc, ça ressemble à ça. Donc, je définis la classe Binary Search Tree. Je veux utiliser des génériques. Je veux quand même qu'elle ait des applications multiples. C'est une classe Binary Search Tree qui permet de sauvegarder des éléments E, presque n'importe quel E. En fait, pour être très précis, les E qui sont comparables, puis qui sont comparables à d'autres objets de type E. Donc, entre autres, String est une classe qui implémente comparable. Integer implémente comparable. Si je définis une classe jeton, puis je fais implements comparable, je peux utiliser l'arbre binaire de recherche. Donc, toute classe qui implémente l'interface comparable, on pourra utiliser un arbre binaire de recherche pour sauvegarder ces éléments-là. Comme dans une liste, j'utilise une classe imbriquée statique, Node, qui a une valeur. Puis vraiment, c'est vraiment sémantique ici. Mes deux autres variables d'instance qui sont de type Node, au lieu de les appeler Previous puis Next, je les appelle Left puis Right. Puis c'est vraiment dans la façon que je vais insérer les éléments dans la structure de données que je vais créer une structure hiérarchique plutôt que linéaire. Oui? Pardon? Oui, les gens en Californie, là, chez Sun Microsystems à l'époque, là, ils ne m'ont pas consulté pour ça. Puis c'est bizarre parce que comparable est une interface, mais on écrit le mot-clé « extends » dans le contexte des génériques. Je sais, c'est pas beau. C'est illette, hein? Ouais. Je suis d'accord. On n'a pas le choix. On va vivre avec. Oui. Dans le contexte des génériques, on ne fait pas la distinction entre implements et extends. Une classe qui a une relation avec une autre de la forme « j'ai toutes les méthodes qui sont définies dans cette interface ou cette superclasse-là ». C'est le sens ici de extends. On ne peut pas, non. C'est malheureux, mais c'est un choix comme ça. Les génériques ont été… Java a été… développé au début des années 90, a été publié, rendu public autour de 95. Puis c'est seulement qu'en 2005 qu'on a ajouté les génériques. Et puis, malheureusement, on a fait un choix qui est un peu questionnable, à tout le moins. Okay? Il y a rarement des langages qui sont parfaits. OK, qu'est-ce que vous voyez comme variable
d'instances pour un arbre binaire de recherche. Dans le cas d'une liste chaînée, par exemple, utilisant l'implémentation avec un nœud factice, il y avait une variable head qui pointait vers le premier élément. Ouais. La racine. Donc, il y aurait une variable d'instance en anglais root. OK, donc c'est un arbre binaire de recherche qui reçoit des E. Je prends ce E-là, je le redonne ici à node. Donc, j'ai une seule variable d'instance, puis ça pointe vers la racine de cet arbre-là. OK, donc, un arbre binaire de recherche, ça ressemble à ça. Il y a un objet binary search tree qui a une variable d'instance root qui pointe vers un objet ici de la classe node. La variable value, c'est une référence vers un objet. Ce qu'on sait de cet objet-là, c'est qu'il implémente l'interface comparable. Il y a une variable left, une variable right. Et si notre élément, c'est une feuille, ces variables-là ont la valeur nulle, ne pointent pas vers un autre élément. Voici un arbre un peu plus grand, si on veut. OK, donc ici, j'ai mon objet binary search tree qui possède une variable d'instance root qui désigne un objet node. Cette fois-ci, left n'est pas nul. Left pointe vers un autre objet node. Lui n'a pas de descendant. Des dessins comme ça, ça me prend pas mal de temps à les faire. Fait que j'en ferai pas trop. Je vais plutôt faire des dessins comme à droite. OK? Économie de temps. Les deux sont la même chose. Donc ici, quand j'ai cette représentation-là, on ne voit pas, mais il y a un objet binary search tree qui existe et qui désigne la racine. Okay? Ici, on a le nœud qui comprend la valeur 8. En réalité, il y a un objet de la classe node qui a une variable d'instance value, qui a une variable d'instance left, qui a une variable d'instance right. Ici, 5, c'est une feuille. Une feuille, ça ressemble à ça. Il y a un objet node qui possède une variable d'instance value qui pointe vers la clé, la valeur, et left, right sont nuls. Okay? Il n'y a pas de descendant à gauche ou à droite. Okay? On voit ici 15 est une feuille, ceci est une feuille, 9 est une feuille, ça ressemble à ceci. Okay? Donc, dans votre tête, quand vous voyez ce qui est à droite, il faut, pour programmer, se rappeler de l'implémentation qui est à gauche. OK, on va commencer à programmer un peu avec ça. La première méthode qui vient peut-être en tête, c'est la méthode contains. On me donne la référence d'une clé, puis la méthode contains va retourner vrai si la clé est dans l'arbre et faux si la clé est absente. Comment ça marche? Comment vous proposez de faire la recherche? On commence où? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Hervé, tu nous manquais au dernier cours. Oui? On va regarder les références value des nœuds. On commence où? On commence à la racine. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver quand on est à la racine?
Pardon? Il se pourrait que l'arbre soit vide. Si l'arbre est vide, qu'est-ce que contains devrait retourner? Pardon? Et qu'il n'y a rien veut dire? False. Faux. Est-ce que la clé est dans l'arbre? L'arbre est vide. Non, il n'est pas là. False. OK. L'arbre n'était pas vide. Tu proposais de regarder value. OK. Est-ce qu'on a besoin? OK. Bon, super bonne question. Disons que je suis ici et je cherche 7. Est-ce que j'ai besoin de comparer les deux fils? Non. Donc, je compare le 7 et le 8. 7 est inférieur à 8. Il est donc impossible que 7 soit dans mon sous-arbre droit. Je n'ai pas à considérer ceci. Donc, je vais me déplacer de ce côté-ci. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais à droite ou à gauche? À gauche? Moi, je suis déjà descendu ici, là. On compare la valeur à nouveau. Dans ce cas-ci, 7 est plus grand que 5. Je m'en vais où? Si la clé était présente, elle serait dans le sous-arbre droit de 5. Puisque le sous-arbre est vide, conclusion, est absente. Si elle était présente, forcément, elle serait dans le sous-arbre droit. Puisque le sous-arbre droit est vide, conclusion, la clé est absente. Je veux trouver 9. Je m'en vais à la racine. Bon, d'abord, je me demande, est-ce que l'arbre est vide? Nope. Est-ce que 9 est plus grand que 8? Oui, plutôt. Je m'en vais ici. Est-ce que 9 est plus grand que 11? Nope. C'est plus petit. Je m'en viens ici. Est-ce que j'ai trouvé ce que je cherchais? Effectivement. Conclusion, 9 appartenait à la structure de données. OK. Je cherchais 8. Qu'est-ce que je fais? On l'avait trouvé déjà. OK, donc, il se pourrait que l'arbre était vide. Avant que je fasse tout mon travail de descendre, il me semble que ce serait intelligent de regarder. Peut-être que c'est la valeur que je cherche. Si oui, je l'ai trouvée. Sinon, je fais un test et je descends vers la gauche ou la droite selon le cas. OK, donc, ça pourrait ressembler à cette série de décisions-ci où l'arbre est vide, la valeur est absente. Si la racine locale, c'est la valeur recherchée, je l'ai trouvée. Sinon, je cherche à gauche et à ou à droite en fonction du test. Si vous regardez ça, qu'est-ce que ça suggère comme implémentation? Oui? Ça pourrait suggérer une implémentation en utilisant la récursivité. C'est ça qu'on va proposer en premier. Par analogie avec les méthodes récursives sur les listes, est-ce que je peux écrire une méthode contains public qui a un paramètre de type node? Pas vraiment, puisque node, c'est privé. La classe node elle-même est privée. Donc, de la même façon que pour les algorithmes récursifs sur des listes, il y avait deux méthodes, on va avoir aussi une partie publique puis une partie privée pour les méthodes récursives qui traversent les arbres binaires de recherche. Donc, j'ai une méthode publique contains qui reçoit la référence de l'élément dont on veut déterminer la présence ou l'absence.
Si l'élément était nul, évidemment que c'est complètement inutile parce que là, on est sur le point de faire des comparaisons de clés. Ça va lancer des exceptions. Donc, si l'élément était nul, on va nous-mêmes lancer null pointer exception. Puis, on va faire le travail avec notre méthode récursive. On lui passe le même élément qu'on a reçu, mais on a augmenté la signature avec un paramètre de type node. Puis, l'appel qui est fait à la racine de l'arbre, on lui passe la valeur de root. Code base. OK, donc, code base, ça vient toujours en premier parce que c'est ça qui freine la récursivité avant même que je fasse contains de current.left, bien, il y a des conditions préalables. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait quoi les codes bases? Le ou les codes bases? Oui? Oui, effectivement, là, on est sur le point de faire des choses comme current.left, current.right, current.value. Il faudrait s'assurer que current n'est pas nul. S'il est nul, qu'est-ce que tu proposes? On retourne faux, valeur était absente. Y a-t-il autre chose que tu verrais dans le code base? Code base, c'est ce qu'on fait quand on ne fait pas un appel récursif. La racine locale, current, point value, ça se pourrait que ce soit la valeur recherchée. Si c'est le cas, on ne descend pas plus creux dans l'arbre, on a trouvé la valeur qu'on cherchait. Si on l'a trouvé, qu'est-ce qu'on fait? On retourne true, je l'ai trouvé. OK, donc, si current égale à nul, on retourne faux. Puis si elements compared to current value est égal à zéro, on a trouvé ce qu'on cherchait. On aurait pu, évidemment, utiliser element equals current point value. Ça aurait fait l'affaire. Ce qu'on n'aurait vraiment pas pu utiliser, égal, on ne veut pas utiliser ça. On ne va même pas l'écrire. On ne l'a presque pas dit pour la bande vidéo. OK. Je pense que ça fait le tour du cas de base. Fait que là, on a regardé. La racine courante, c'est pas la valeur recherchée. C'est pas nul. Ensuite, puis il faut les faire dans cet ordre-là. Il ne faudrait surtout pas inverser, sinon on aurait possiblement null pointer exception. Donc, current n'est pas nul. Current.value, c'est pas ce que je cherchais. Qu'est-ce qu'on fait? Appel récursif selon que la clé est plus petite ou plus grande que la valeur qui se trouve dans le nœud courant. OK, donc si l'élément recherché est plus petit que current.value, appel récursif contains, où ça? Dans le sous-arbre gauche. Sinon, appel récursif va chercher l'élément dans mon sous-arbre droit. Je vous ai dit au dernier cours, c'est vraiment important, puis j'espère, on a pas mal de monde, que vous allez vous en souvenir au final. On ne peut pas passer de l'information lorsqu'on écrit des méthodes récursives en utilisant des variables locales. Je ne peux pas faire des choses comme i égale à i plus 1, puis penser que l'autre appel aura magiquement. Ils sont indépendantes. La récursivité, ça se contrôle par le paramètre. Ici, current, c'est un nœud. Je fais un appel récursif. Dans cet appel-là, current, c'est un autre élément de la structure de données. On va jouer avec ça dans une minute.
Fait que ça ressemble à ça si on compose tout le code. OK, donc, si current est égal à nul, le résultat, c'est faux. Sinon, ici, j'aime faire mon test une seule fois. Si le résultat du test, c'est 0, ça veut dire que j'ai trouvé. Je retourne « true ». Si le résultat du test, c'est plus petit que 0, ça veut dire que LM est plus petit que current.value. Je descends dans le sous-arbre gauche et je vais chercher la valeur. Ça va revenir, puis c'est ça que je vais retourner à la fin. Est-ce que c'est forcément récursif? Parce que là, je vous ai pas mal vendu, je vous ai amené dans une piste, là, la façon, je n'étais pas honnête, la façon que je vous ai présenté ça, ça avait l'air vraiment récursif. Est-ce que c'est forcément récursif, une méthode contains? Oui? OK. C'est une très bonne réponse où, quand le traitement nous demande de parcourir un seul chemin, contains, je prends une série de décisions. Je commence à la racine, c'était plus grand, je m'en vais à droite. Je compare, c'est plus petit, je m'en vais à gauche. Je compare, c'est plus petit, je m'en vais à gauche. Je compare, c'est plus grand, je m'en vais à droite. Si je suis un seul chemin, c'est super facile d'écrire du code itératif. Si je dois parcourir tous les nœuds de l'arbre, aller à la fois à gauche et à droite et récursivement faire ça, c'est super compliqué de ne pas utiliser la récursivité. Super compliqué. Ça ressemblerait à quoi ta méthode? Qu'est-ce que tu aurais besoin comme ingrédient pour écrire ta méthode? Contains, qui n'est pas récursif. Tu commences avec ton root. Donc, un peu peut-être comme dans d'autres problèmes où on a P, je pourrais dire P égale à root. C'est ça. Et ton élément que tu cherches aussi. J'ai mon élément et l'âme que je cherche. Qu'est-ce que je fais? Et là, tu compares pour voir si tu vas à gauche ou à droite. Ben, ça se pourrait qu'il soit nul. P, fait que là, wow, je ne l'ai pas trouvé. Ça se pourrait que ça soit peut-être la valeur que je cherchais. Fait que là, je l'ai trouvé. Sinon, si c'est plus grand ou plus petit, je vais faire mon aiguillage. Okay, là, je cherche un. OK, je suis allé dans la mauvaise direction. Je me cherche un dessin. OK, j'en ai un ici. OK, donc, je pourrais déclarer, dans mon programme, j'écrirais current, mais quand je dessine à l'écran, si j'écris current, ça me prend trop de temps. Fait qu'on va l'appeler node de E, P comme pointeur, puis je vais dire P est égal à la racine, donc P va désigner ceci. Imaginons que, ça c'est P, on cherche la valeur 9. Est-ce que P.value est égal à 9? Pas vraiment. 9 est plus grand que 8. Qu'est-ce que j'écris? P est égal à P.right. Donc, P.right, c'est ceci. Je le copie dans P. Donc, P pointe maintenant ici. Je me repose la question. Est-ce que P.value est égal à 9? Nope. 9, c'est plus petit. On va donc faire P est égal à P.left. Donc, P pointe vers cet objet node-là. Left, c'est ça. Je prends cette valeur-là, je la copie dans P.
P va donc pointer maintenant vers l'objet de la classe Node qui a la valeur recherchée. Est-ce que P.value est égal à 9? Bingo, on a trouvé. OK? Donc, si on regarde ce que ça donne en termes de Java, okay, ça ressemble à ceci. Je l'ai appelé contains2 pour faire la différence. Cherche un certain élément. Found, ça va me permettre de contrôler ma boucle. Au début, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Current est égal à root. Not found. Current n'est pas nul. Je fais mon test. Je compare l'élément recherché, current.value. Si mon test, c'est 0, bravo, j'ai trouvé. Si la valeur recherchée était inférieure à la clé, je dois me déplacer vers la gauche, current égale à current.left, puis je fais mon aiguillage. Ça a bien de l'allure? C'est comme traverser une liste, mais une liste qui a une structure hiérarchique plutôt que linéaire. Donc, on ne dit pas de liste, c'est un arbre. So far, so good, comme on dit. OK. Notion que je trouve pas mal le fun. Il y a plein de traitements où on veut traverser les arbres. Je veux retourner toutes les clés de l'arbre. Je veux compter le nombre d'éléments dans l'arbre. Je veux savoir il y a combien de clés qui sont inférieures à une borne, qui se situent entre deux bornes. Je dois traverser l'arbre de recherche. Traverser, c'est visiter pas mal de nœuds. Il y a différentes façons de traverser la structure. Quand on pense à une liste chaînée, si elle est simplement chaînée, il y a une seule façon de la traverser. C'est vers l'avant. Si je pense à une liste chaînée, doublement chaînée avec un nœud factice, je peux la traverser du début à la fin ou de la fin au début. J'ai deux façons. Avec les arbres binaires de recherche, il va y avoir plusieurs façons de traverser l'arbre. Et ces façons-là vont être utilisées dans différents algorithmes. Donc, il y a plusieurs. Dans certains cas, on va vouloir utiliser un parcours qu'on va dire préfixe. Dans d'autres cas, on va vouloir faire un parcours qui est préordre. Puis, dans d'autres cas, on va vouloir faire un parcours qui va être... OK, je me suis gouré. Préfixe puis préordre, c'est la même chose. Désolé. Des fois, on va vouloir faire un parcours infixe ou symétrique. Puis des fois, on va vouloir faire un parcours qu'on va appeler un parcours suffixe ou postordre. Ce qui va différer dans ces parcours-là, c'est le moment où on fait ce que j'appelle visite. Visiter un nœud, pour moi, c'est ce qu'on fait au nœud. Donc, je peux visiter les nœuds pour, comme dans le cas du devoir courant, pour incrémenter la valeur d'un compteur. Je peux visiter les nœuds parce que je suis en train d'attraper les valeurs puis je veux les mettre dans une liste parce que je veux sortir toutes les clés de l'arbre. J'ai visité mon arbre. Je peux visiter un nœud simplement pour afficher sa valeur. Pour mes exemples ici, visiter, ça va être afficher la valeur, ça va être systemout, println, current.value. Ça, c'est visiter. Donc, ça ressemble à ça, mon affaire. Dans un parcours préfixe, je vais d'abord visiter la racine courante. Ensuite, je vais traverser le sous-arbre gauche. Ensuite, je vais traverser le sous-arbre droit. Donc, la clé ici pour préfixe, c'est que visite, c'est la première chose qu'on fait. Dans infixe, on va d'abord traverser le sous-arbre gauche. Ensuite,
visiter la racine courante, ensuite traverser le sous-arbre droit. Puis dans le troisième cas, post-ordre, on fait tout ce qu'on a à faire dans le sous-arbre gauche, on fait tout ce qu'on a à faire dans le sous-arbre droit, puis finalement, on visite la racine. OK? Vous voyez qu'il y a tout le temps trois choses à faire. Il va tout le temps y avoir aller à gauche puis aller à droite. Ce qui va changer, c'est à quel moment est-ce qu'on visite? Est-ce qu'on le fait au début, préfixe? Est-ce qu'on fait au milieu, infixe? Est-ce qu'on le fait à la fin, postfixe? Puis ça a un impact énorme sur les traitements. OK, donc, il y a plusieurs façons de procéder. Si je fais la visite des nœuds en utilisant le parcours que j'appelle pré-ordre, est-ce que vous pouvez me dire dans quel ordre les clés vont être affichées? Quelle est la première clé affichée? Huit. OK, donc, ce qu'on fait, c'est visite, j'affiche le 8, gauche, je m'en viens ici, qu'est-ce que je fais? Visite, je sors le 5, ensuite, gauche, je m'en viens ici, visite, j'affiche le 2, ensuite je vais à gauche, rien à faire, je reviens, ensuite on fait droit, je m'en vais à droite, je reviens, il n'y a rien à faire. J'ai terminé ici, je reviens où j'étais. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Aller à droite. Je m'en viens ici. C'est quoi la première chose à faire? Visite. Je mets le 7. Je m'en vais à gauche, je reviens. Je m'en vais à droite, je reviens. J'ai terminé, je reviens où j'étais. J'ai terminé mon travail, je reviens ici. J'avais déjà fait visite gauche. On va à droite. Je m'en viens ici. Première chose à faire, visite, je sors le 15. Ensuite, je m'en vais à gauche, je suis ici. Première chose à faire, visite, je sors le 12. Je m'en vais à gauche, je reviens. Je m'en vais à droite. Je reviens de mon appel récursif, évidemment. Je reviens ici. J'avais déjà fait visite gauche. Il me reste à faire droit. Je descends dans le sous-arbre droit. Première chose, c'est visite. Je sors 29. Je reviens ici. J'ai terminé visite gaucheoise. Je reviens ici. J'ai terminé. J'ai terminé mon parcours. Les valeurs qui ont été sorties dans l'ordre 8, 5, 2, 7, 15, 12, 29. Okay? C'est utile pour faire des choses comme je veux d'abord savoir il y a combien de clés dans le sous-arbre. Non, c'est pas vrai ce que je viens de dire là. On revient. Oui, là. Ah non, j'accélérais les choses un peu. Là. On est allé, on est revenu, on a tout fait ça. Oui, oui, oui. Tu as bien raison. OK, j'efface ça. Puis pensez à ce qui va arriver avec le parcours symétrique ou infixe. OK, donc, parcours symétrique ou infixe, on prend visite, puis on le met en sandwich entre gauche puis droit. On va faire les opérations aller à gauche, visite, aller à droite. Je suis à racine, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais à gauche. Je suis ici, qu'est-ce que je fais?
gauche. Je suis ici, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais à gauche, je reviens. Qu'est-ce que je fais? Visite. On affiche le 2. On va à droite. Puis on revient, il n'y avait rien à faire, c'était vide. On a terminé. On revient ici, qu'est-ce qu'on fait? Visite. On sort le 5. On s'en va à droite. Qu'est-ce que je fais ici? On s'en va à gauche. On revient. Visite. Je sors le 7. Je m'en vais à droite. Rien à faire, je reviens. Je finis mes trois opérations. Je reviens ici. On a donc complété droit. Je reviens ici. Qu'est-ce que je fais? Visite. Je sors le 8. Je m'en vais ensuite à droite. Qu'est-ce que je fais en premier? Gauche. J'arrive ici. Première chose à faire. Gauche. Rien à faire. On revient. Visite. On sort le 12. On fait droite. On s'en va à droite. On revient. On a fini nos trois étapes. On revient là. On avait fait gauche. On fait maintenant visite. On sort le 15. On va à droite. On s'en vient ici. Première chose à faire, c'est aller à gauche, rien à faire. Visite, on sort le 29. On s'en va à droite et on revient. On a terminé. On revient à l'aplan. On a terminé. On revient ici. Terminé, c'est fini. Qu'est-ce qui est particulier avec le parcours symétrique? Les clés sont en ordre. OK? J'efface ça. Puis on va le faire de façon accélérée, l'autre. Parcours post-ordre. Comment est-ce que les clés vont sortir? Oh, est-ce qu'ils vont être décroissantes? Je suis ici, qu'est-ce que... Wow, on se calme là. Je suis ici. Je suis en post-ordre. Première chose à faire, on va à gauche. Première chose à faire, à gauche, rien à... Ensuite, on va à droite, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Visite, on sort quoi? Le 2. Je reviens ici. On avait fait gauche, on va aller à droite. Je suis ici, je vais à gauche, je reviens. Je vais à droite, je reviens, visite, je sors le 7. Je reviens ici, visite, 5. Je reviens ici, j'ai fait gauche, je dois faire droite. Je redescends ici, première chose, gauche, je suis ici, je vais à gauche à nouveau, je reviens. Je vais à droite, je reviens, visite, je sors le 12, je reviens ici. Est-ce que je sors la valeur? Non. Je m'en vais à droite, je m'en vais à gauche, je reviens, je m'en vais à droite, je reviens, visite, 29. Qu'est-ce que je fais? Visite, je sors le 15, je termine, je reviens ici, on avait fait gauche. Droit, revient, visite, 8. Pas très décroissant, cette affaire-là. 2, 7, 5, 12, 29 et 8. Okay, vous voyez que dans ce cas-là, ça me permet de dire des choses comme combien il y avait de clés à gauche? Ah, il y en avait comme ça. Combien il y a de clés à droite? Ah, il y en avait comme ça. Bien, le sous-arbre ici, il doit avoir toutes les feuilles de mon sous-arbre gauche, plus tout le nombre de feuilles de mon sous-arbre droite, plus un pour le nœud courant, je retourne ça vers le haut, j'ai compté le nombre d'éléments dans mon sous-arbre, par exemple. Comment on va coder ça? Évidemment qu'il va y avoir une méthode qui est privée, récursive, qui est
qui va être contrôlé, évidemment, par son paramètre. Ici, je suis en train de vous montrer la méthode visite pour qu'elle ait quelque chose de concret. Visite est simple dans ce cas-ci. Visite, je vais afficher. Rien de bien particulier. C'est un exemple. J'ai une méthode publique postOrd. J'ai une méthode publique inOrder, en ordre, et une méthode publique postOrder. Ces méthodes-là vont utiliser des méthodes ayant le même nom, mais étant privées, qui vont avoir un paramètre de type node. On va lancer le premier appel en passant la racine de l'arbre, et le travail va se faire. Ça, c'est ma méthode preOrder. Assez simple, hein? Current, je reçois la valeur, je pointe vers un élément. On a dit que le parcours préordre, c'était visite, va à gauche, va à droite. C'est aussi bête que ça. Donc, je reçois une référence, un point dans l'arbre. Si c'est pas nul, j'imprime la valeur, visite. Je m'en vais à gauche, ça fait tout le travail, ça revient ici. Je fais tout le travail à droite, c'est fini, ça revient, je retourne à l'aplan. Je veux implémenter un parcours symétrique. C'est-tu bien compliqué? Qu'est-ce que je fais? Je descends, visite au milieu, aller à gauche, visite, aller à droite. Je veux faire un parcours postOrd. Je descends ça à la fin. C'est-tu assez simple? Je voudrais accumuler toutes les clés dans une liste. Je fais mon parcours. J'ai current, j'ai ma liste. Je me promène, il y a un nœud, je mets dans ma liste, je descends, il y a un nœud, je mets dans ma liste, je m'en vais à gauche, je m'en vais à droite, j'ajoute dans ma liste. Ce que j'ai à décider, c'est je veux faire un parcours préorm, in order, postOrd, j'ajoute dans ma liste au début, à la fin. Je pense que vous avez pas mal d'ingrédients ici pour le devoir. Moi, je trouve ça hyper élégant. Je peux mettre 10 à la 22 clés là-dedans. Je veux faire le parcours. Bien, j'ai écrit 1, 2, 3, 4. 4 lignes de code, là. C'est pas bien compliqué, mais c'est incroyablement puissant. Okay, donc, vraiment, je ne pense pas que j'ai besoin de refaire l'exemple qu'on a fait de parcours préordre, en ordre et postOrd. Notre code suit vraiment l'exemple qu'on a fait. Ici, j'ai un diagramme qui est un peu musclé, détaillé, qui démontre bien tout ce qu'on a fait. J'ai utilisé des couleurs ici. La méthode preOrder, c'est la méthode publique. Méthode preOrder publique a fait un appel à la méthode preOrder en lui passant la racine de l'arbre. Current pointe ici. PreOrder, qu'est-ce que ça fait? Visite, va à gauche, va à droite. On a appelé la méthode visite, on a passé current, ça affiche 8. J'ai fait un appel à preOrder en passant current.left. Dans cet appel-ci, current pointe là.
pour exécuter le code. J'ai fait visite, affiche le 5. J'ai fait pre-order où j'ai passé current, point left, c'était nul. Puis j'ai terminé, je fais pre-order de current, point right, c'est nul, j'ai terminé. J'ai terminé cet appel récursif-là. Je peux maintenant entamer l'autre appel récursif qui est ici. À ce niveau-ci, current pointait là. J'ai passé current.right. Cet appel-ci, current pointe là. On a fait visite. On a affiché 11. Il y a deux appels récursifs. Le premier, on passe current.left. Cet appel récursif-là, current pointe ici. On fait visite, j'affiche le 9. Terminer l'appel à visite, je fais pre-order en passant current.left. Le voici. Terminé. Je fais un appel en passant current.right. Cet appel-là va terminer aussi. Il y a l'autre appel qui nous restait à faire. Cet appel-là, il est fait au niveau ici où current.ici, current.right, c'est ça. Cet appel-ci pointe là. Je fais visite. Je vais afficher 15. Pre-order de current.left. Ça va terminer. Pre-order current.right. Ça termine. On a terminé cet appel récursif-là. On revient ici. On revient là. On a tout terminé. On a affiché les valeurs. Et on voit que le plus profondément où on est allé dans nos appels récursifs, c'était ici. C'était au niveau 4. Ça correspond à la profondeur de notre arbre. OK? Donc, au prochain cours, on va poursuivre avec ces idées-là, puis on va approfondir un peu, on va parler de propriété, puis comment ajouter puis retirer des éléments. Il y a un dernier parcours que je vous présente juste pour le fun, qui s'appelle un parcours d'Euler, où, parcours d'Euler, c'est comme si on marchait à l'extérieur de l'arbre, puis à chaque fois qu'on voit une feuille, un élément, on l'affiche. Donc, je suis ici, j'affiche 8, je me promène, j'arrive ici, 5, je descends, j'arrive ici, j'affiche 2, je descends, je reviens, j'affiche 2, je descends, je reviens, j'affiche 2, je reviens ici, j'affiche le 5, je descends dans mon parcours, j'affiche le 7, peut-être je m'en viens, je reviens, j'affiche 7, je m'en vais, je reviens. J'affiche le 7, je reviens ici, j'affiche 5 à nouveau. Donc, vous avez compris l'idée. C'est comme si on marchait à l'extérieur de cet arbre-là. On implémente une méthode récursive pour faire un parcours de Euler. C'est-tu bien compliqué? Ça ressemble à quoi? Visite, Euler de gauche, visite, Euler de droite, visite. Le code n'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est super élégant. C'est super beau. Ça nous donne des petites larmes au coin de l'œil. All right, on se voit mercredi.